Et salut tout le monde, c'est parti pour la suite. On continue l'aventure. Alors ce qu'on va faire, on va aller voir les vendeurs. Mais avant ça, on va ouvrir le menu. Parce que j'ai bien gagné un légendaire au dernier épisode. Donc on va aller voir ça, si je me souviens bien. Hein. Jacobs. Il me semble que j'avais gagné un légendaire. Ah voilà, en fait c'est un bouclier. Les dégâts dans le dos sont réduits à de 56%, 40% de chance de renvoyer les projectiles quand votre bouclier est actif. Jambon vercuvien de synthèse, approuvé par Typhon de Léon. Bon, c'est déjà ça. Apex Ecro Friendly Headcase. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter de beau? Amélioration sniper. Du butin oublié. Ah, splendide. Bon bah j'ai tout amélioré, ça c'est parfait. Déverrouille ce skin pour le système modif éclair. On verra ça plus tard. Et qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Les points de compétences. On va essayer de dévorer quand même ce familier au max. On verra par la suite les autres. Faudrait que je regarde en fait lequel est vraiment bien vers la fin. Alors celui-là il est pas mal. Notre famille peut nous réanimer. Le dernier, c'est surtout... compétences de corps à corps. Ok. Bon. Dès que les gars de Maliwan vont me voir, ils vont prendre leur coup. Allez, on va voir Lilith. Donc si vous avez suivi le dernier épisode, Maya est morte. La sirène, notre pote, tué par les Calypso, par le frère.
Désolé pour tout ça. T'aurais rien pu faire. Merci d'avoir ramené Ava en un seul morceau. Lilith, vous devriez faire un discours. Bon, d'accord, je me dévoue. J'ai bien connu Maya de son vivant. Je la préférais vivante. Vous voyez ce que je veux dire. Mais elle est morte, et c'est la vie. Tout ce qu'on peut faire, c'est se battre pour honorer sa mémoire du mieux qu'on pourra. Les guerres font des morts, par milliers. Je veux dire, il suffit d'ouvrir les yeux. Ne me demandez pas de parler à votre enterrement, Lilith. Comptez sur moi, Danis. Pour le mien aussi. Vous pouvez. Je sais ce que je suis. Une scientifique brillante et froide. Et vous savez ce que vous êtes. Parce que tout le monde sur ce vaisseau attend que vous disiez quelque chose. Et tant que vous vous tairez, ils ne pourront pas reprendre leur travail pour empêcher ce débris flottant de dériver dans l'espace. Maya était plus qu'un pillard écarlate ou un chasseur de l'Arche. C'était ma famille. Mais on ne doit pas perdre de vue notre mission. On va ouvrir ces arches. C'est la seule façon de donner du sens à sa mort. Et maintenant, tout le monde à son poste. Ouvrir ces arches ? C'est tout ce que tu trouves à dire ? Maya est morte parce que tu voulais ouvrir les arches. On devrait être en train de traquer les Calypso pour leur faire payer ce qu'ils ont fait. C'est pas aussi simple. Maya disait toujours qu'un chasseur de l'arche court vers le danger. Elle arrêtait pas de parler de toi. T'as sauvé Pandore. T'as tué le beau Jack. T'es censé être le faucon ardent. Je ne sais pas ce que je suis. Eh ben réfléchis, Lilith. Avant que quelqu'un d'autre y laisse la peau. Va voir si elle va bien, d'accord? Moi, je vais nous préparer à rejoindre Eden 6. Ok. Après, c'est un peu de la faute de la gamine, hein. Oh, c'est toi. J'ai pas grand-chose à dire, tu sais. C'est la guerre, les gens meurent. C'est l'ordre des choses. Mais ne crains pas la faucheuse. C'est l'ami qui t'accueille à la fin de ta chasse. Merci. Rien t'obligeait à venir me parler, mais... je suis contente que tu l'aies fait. Tiens, c'était à elle. Je suis sûre qu'elle voudrait que ça te revienne. Ils doivent être en train de se préparer à rejoindre Eden 6. Tu devrais y aller. Je crois que j'ai besoin d'être un peu seule, là. Ok, poulette. Chasseur de l'Arche. Bien, te voilà. On doit mettre le cap sur Eden 6. Pas une seconde à perdre. Lilith, on reçoit une transmission. Quoi encore ? Personne qui compte pour des pourritures pareilles. Et c'est bien ça qui les rend extrêmement dangereux. D'après Tanis, l'Arche de Prométhée était reliée à celle d'Eden 6. Si les Calypso veulent mettre la main sur cette Arche, ces monstres vont devoir nous passer sur le corps. Et heureusement, on a un ami sur la planète. Claptrap, mets-nous en contact avec Hammerlock. Sœur Hammerlock, avec plaisir. Je parie qu'il sera ravi d'entendre toutes mes nouvelles aventures. Wainwright Jacobs, à votre service. Je suis heureux de vous signaler que ces fanatiques descendants ont emmené Hammerlock. Il ne faut pas croire qu'ils viennent me chercher. Un pas de plus et je vous truffe de plomb. Je tatouerai le sou familial sur vos fessiers de l'âge.
Bon, bah, ça s'annonce mal. Les descendants de l'Arche sont déjà sur Eden 6. Toi, va retrouver Wainwright Jacobs et essaie de voir ce qui se passe là-bas. Ils ont rebouché le trou. Bon allez. Allez tirer sur des méchants. Ah, je crois que j'ai reçu du courrier en plus. Faut descendre encore. Je crois qu'on peut descendre par là. Ouais. Ok, alors le courrier social. Wow! Accepté. J'en avais du courrier. Bon bah une nouvelle planète encore. Eden 6. J'aurais aimé vous offrir un accueil sur Eden 6 plus digne des Jacobs. Mais ces diables de DDA sont partout. Nous nous sommes réfugiés dans le chalet familial avec quelques survivants. Les vivres se font rares et nous sommes encerclés. J'ai besoin de votre aide. T'inquiète, je vais venir. Je fouille un peu le secteur. Elle est sympa cette planète. Bon, alors j'ai entendu une musique, c'était quoi la musique? Camion de l'infamie, bon, et ben voilà, mettez un terme au règne de terreur de l'inquisiteur Gorflap et de son gang. Oh, c'est pouf, salopard! Hé, hey, chasseur de l'Arche, par ici! Je me demandais où c'était passé.
Ok. On va choisir un véhicule. Ah, c'était ça que j'avais gagné la dernière fois sur le cyclone Sonic. Alors ce qu'on va faire, on a quoi parler à Miller? Content de te voir. On était là, Coop et moi, à bosser tranquillement à la Siri Jacobs quand ces tarés de TDA se sont pointés comme sortis de nulle part en racontant qu'ils cherchaient l'arche des Jacobs. Et là, ils se mettent à nous traiter d'hérétiques ou je sais pas quoi et à massacrer tout le monde. C'est de la folie, de la pure folie. N'ayez crainte, brave citoyen. Il est grand temps de chasser ce Gorflap et tous les petits bras des DDA qui s'opposeront à moi. Bon, content de l'entendre. Je suis sûr que Wainwright Jacobs vous récompensera si vous nous aidez. Bah ça, j'y compte bien. Rapide comme l'éclair, montrez que vous êtes un as du volant en jouant le fifou. J'aime ton enthousiasme, mon ami. Est-ce que tes amis passent leur temps à te dire « ralentis un peu, mon coco » ? Est-ce que les mots « traces de pneus » te remplissent inexplicablement de joie ? Moi, c'est Prisa. Monte dans ce véhicule et en route. Le démon de la vitesse est arrivé. Passe ses rampes pour nous prouver que t'es de taille pour le grand moment. Si t'exploses ma bagnole, repasse au garage. J'en ai d'autres en rab. Sauter sur les rampes. No problem. Pas mal. C'est peut-être bien quelqu'un comme toi que les lubrifiants Grog recherchent. Wow. T'as la classe façon Grog. Yeah. Piston de lubrifiant Grog. Ah. Lubrifiant Grog, l'audace au volant. Un dernier test et on passera à la grosse épreuve. Maintenant,
jamais vu personne d'autre que mon père y arriver. Ah, t'inquiète. Je suis à peu près un pro. On va essayer. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Bon, bah, je suis coincé. Prêt à chasser? Comment on peut être coincé ici, Bolden? Donc, il va falloir que je le fasse en plusieurs fois. Alors, conduire le baroudeur de... Rassure-moi, tu sais conduire quand même. J'ai une autre bagnole qui t'attend au garage. Bah, le problème c'est que je sais conduire, mais apparemment ta voiture c'est pas un tout terrain quoi. On va y arriver. Ouais, c'est quoi ça? Ah ouais, j'ai 4 armes. Ok. C'est bien pratique. Bah, apparemment c'est pas celui-là. Attends, je comprends pas là. T'as pas de quoi comme véhicule? Prêt pour le combat? Ok, c'est parti. Donc le grand saut il est là-bas. Dans l'enlue. Et moi, j'ai jamais réussi à faire le saut. Tu veux bien détruire sa caisse? Je voudrais pas que les bandits la prennent. C'est un peu dommage. J'aurais pu la récupérer. Lubrifiant grog pour l'audace. Et ça, on peut dire que t'en manques pas.
T'es le nouveau visage des lubrifiants Grog. Mission terminée. Ah, y a pas d'armes sur son véhicule. Faire mec. Ne pisse pas dessus cette fois. Ah bien ouais. Il est caché lui. Il s'est coincé. La faute à son gros croupion. Oh ouais, mon nouvel ami va avoir un panneau arrière bien bombé. Si tu veux tous lutins, mieux vous renforcer ton arrière-train. Quoi? Non, c'est pas Crado, c'est toi qui es Crado. On va mettre la carte. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Ah ouais, elle est grande la carte. Donc faut que je repasse par ici. Je crois que pour l'instant c'est la plus grande, hein, les maps. Accroche-toi. Un élévateur, un élévateur. Il y a vraiment rien. Moi je dois passer par tout droit et tourner à droite quelque part. C'est la ville de Reliance, où ce qu'il en reste. On y trouve nos meilleurs armuriers, ainsi que nos exploitations forestières. Dieu merci, mon père n'est plus là pour l'avoir tombé entre les mains de ces bandits. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Ouais. Bon, en tout cas, ça nous permet de visiter la carte. Wow!
s'enfuir. Les véhicules, ils sont pas mal hein, quand même. Prêt pour le combat? Très rare. Pas de légendaire. ...315, Jacobs. On va quand même garder mon légendaire. Ah, j'avais pas vu ça. J'avais une arme légendaire ici. Maliwan. Elle était cachée où en fait? Ok. Stylé. Ouais, ça rigole pas. Alors, encore mauvaise direction. Défi équipage. Défi équipage. Tu m'as manqué, ma fille. Alors, comment monter ici? Par l'autre côté. Petit enfoiré. Sur les ondes. Un point pour les pillards. Moxie m'a envoyé un courrier. On a un autre défi à côté, je crois. Yeah.
Alors comment on monte ici? Apparemment c'est pas par ici. Fais entendre ta colère. Un oiseau qui court. C'est un dinosaure. Ne panique pas, ami. Ah, ils ont tué mon familier. Je suis supérieur. La chasse est ouverte. La toute prête, elle déchire. J'y vais. Elle fait super mal. Tu vas mourir. Je crois pas, non. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Rien. Bon bah, on va aller fouiller un peu cet avant-poste. Une petite prison ici. Parfois on est le chasseur et parfois on est la proie. Bon, en tout cas je suis pas déçu. C'est de l'arme de compète. Bloqué. Sûrement pour une mission secondaire. Bon bref. On a buté un peu tout le monde. Il me faut de la thune.
chalet au sommet. On va repousser ces démons du mieux qu'on peut. Mais je vous conseille de faire vite. J'avoue, ça va être simple. Avec mon baggy. Pour ta pote la sirène. J'ai pas l'impression qu'elle s'en soit plein. Le truc, je suis pas une sirène, moi. Content de vous voir. Je ne sais pas combien de temps on aurait encore pu repousser ces fanatiques. Pas lui avec son fusil à pompe. Un peu comme moi, ça. Chasseur de l'Arche, vous m'avez sauvé la vie. Je vous suis reconnaissant. On va parler. Je suis Wainwright Jacobs, mais j'ai bien peur qu'il ne me reste plus que ce nom. Ces démons m'ont pris tout le reste. Allez, entrez dedans. Il a une jambe en bois ou quoi? Servez-vous dans mon arsenal. J'ai récupéré ce que je pouvais dans la collection de mon père. Mais ça lui servira plus. Ces horribles Calypso l'ont assassiné et m'ont tout pris. Et sans votre intervention, je l'aurais suivi dans la tombe. Je m'en suis sorti, mais ils ont capturé mon partenaire de vie. Alistair Hammerlock. Ces démons ne le libéreront que si j'accepte de leur donner la clé de l'Arche. C'est aussi pour ça que vous êtes là, j'imagine. En effet. Cette Arche est dans ma famille depuis des générations. Nous ne voulions pas voir notre paradis saccagé, comme ce qui est arrivé sur Prométhée et sur Pandore. La présence d'une Arche entraîne toujours la guerre. Mais pour l'instant, j'ai des problèmes plus pressants que mon héritage familial. Alistair Hammerlock, l'amour de ma vie. Si jamais il le tue, j'aurais tout perdu. Si mon père était encore en vie, il me dirait d'aller à la rencontre de ces démons et de négocier du bout du canon d'un fusil Jacobs. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Cette secte a enfermé Alistair dans une prison appelée l'Enclume. J'ai déjà envoyé une équipe de mercenaires pour le libérer, mais je n'ai plus de nouvelles depuis. Sauvez Alistair, et je vous donnerai la clé de l'Arche. D'accord? Oh, comptez sur moi. C'est comme si c'était fait. Parfait. L'homme fort de l'équipe, nom de code Mastok, doit être en train de sécuriser un passage pour leur fuite. Il sera près de la porte de la prison. Trouvez-le et ramenez Alistair en vie. Je vais tenir la baraque et protéger ce qu'il reste de mes équipes. Bonne chance. Je ne m'en fais pas trop pour la survie de ce Mastok. Il tient plus de la montagne que de l'homme, en plus énervé. Mais il a du mal à maintenir son attention, surtout quand il peut distribuer des coups de poing. Il y a pas mal de revendeurs ici. C'est pas mes armes qui sont donc petites. C'est toi qui es bigleux. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, tu sais. Où est ce maudit Jacques à sauce? Allez les gars, suce aux fanatiques! Ah, tu sais vraiment pas marchander!
Livre de la tempête. Toujours un plaisir de faire affaire avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer ? Ok, on va voir. Je vois que tu sais flairer les trésors. Prêt à chasser ? Ouh, ah ouais. Il a changé là. Alors, ce paradis. Je pensais que la planète de Jacob serait un peu moins. Comment dire ? Puante du cul ? C'est dangereux, Edensis. Ça me rappelle d'où je viens. Enfin bref, le partenariat avec Maliwan a capoté, mais on a quand même retenu une leçon après Katagawa. Cette fois, je me suis téléportée direct pour le dîner et j'ai aspiré directeur de Jacobs. Boum, terminé. J'ai installé quelqu'un à moi à la place d'une vraie pompe glaciale, tu vois le genre. Elle s'occupe des comptes et de faire obéir les gens. Ça fait bien plaisir de voir une femme aux manettes, tu vois. Eh ouais, tu vois. Bah, je vois surtout qu'elle va crever, quoi. To prison, c'est... On s'approche. L'enclume. Par ici, ma fille. Ok, donc c'est ça l'enclume, la prison. Mon équipe ne répond toujours pas. Il a dû se passer quelque chose. Ouvrez cette porte, chasseur de l'arche. Je te préfère en canard. Ouais, c'est vraiment super mal cette mitraillette. D'être bien stylé quoi. J'avoue, c'est assez facile. Warden, see you. Don't make Warden mad. Plus de
de temps après mon atterrissage, je reçois un écho d'Aslan de Vega, envoyé depuis sa prison. Il me demande de lui rendre visite et de lui apporter un jambon vercuvien en souvenir du bon vieux temps. On l'avait enfermé pour tentative de vol d'arche. Je l'avais pas recroisé depuis qu'il avait essayé de me descendre sur Skywell. Mais comme je lui avais piqué son vaisseau, je me suis dit qu'on était quitte. Alors j'ai accepté de lui rendre une visite. Ok, man. Allez. Vaut mieux pas tomber. Je me demandais où c'était passé. Ok, pour l'instant, rien de spécial. Il y a quoi ici? J'avais brisé ce cristal. Alors... Ouais. Ouais. Bon, je peux toujours pas lire les hiéroglyphes. Est-ce que ce serait... Non. Non, c'est dans ma tête. Ah oui, d'accord. Eh, Brick. Elle a l'air d'être encore plus vénère que... Ah, génial. Un autre chasseur de Borderlands. C'est de mieux en mieux, ce boulot. Aide-moi à massacrer des bandits, ensuite, on causera. Ils ne comprendront jamais. Gage brutal. J'ai l'impression que cette arme elle fait vraiment super mal quoi. Vas-y Brick, fais-toi plaisir hein. Il reste beaucoup de des sous-sous.
J'aime ton enthousiasme, mon ami. Par ici, Turbo débile. C'est facile. Viens, c'est bon. Miracle de poche. Tu ne pouvais pas finir autrement. Elle fait vraiment trop mal, hein, cette mitraillette. Votre attention, tout le monde! Les rapaces sont là! Tuez-les pendant que j'interroge l'homme mécanique sur la clé de l'arche! Faites couler le sang! Je vais le calmer! Ne te retiens pas. Ce qui est bien avec cette arme, c'est qu'elle crée un nuage toxique. J'essaie de les faire quoi. Voilà, c'est dit. Malédiction! Abortons! Accroche-toi, l'ami! Mastoc, je présume. Ouais. Tu as encore du travail, camarade. Content de te voir. Ça a un peu dégénéré. J'attendais le signal de notre experte en démolition, mais un truc a foiré. Sûrement la faute aux fanatiques ou aux descendants. Appelle-les comme tu veux. Moi, je m'en fous de leur nom. Tant que je peux leur cogner sur la tronche. Bien fort! Faut que je te fasse rejoindre notre démolisseuse, dit. Bah, pardon, j'oubliais les noms de code. Lapinou Déglingo a besoin d'aide. Suis-moi. Non, il peut pas appuyer sur les boutons comme tout le monde. On m'appelle le portier. Et Mastoc aussi. On m'appelle plein de choses. C'est par là. Tu meurs d'envie que je t'écrive. Attention. Voilà notre punching ball. Pas mal cette grenade aussi qui apparaît. Faudrait que je vois quand même, c'est si on peut améliorer nos armes. Toi là, tu apprécies ton dernier souffle. Submergez-les.
ne vont pas se chasser toutes seules. Bon bah jusque là tout va bien. Faut juste un peu de munitions pour la petite mitraillette. Tiens, ça j'ai pas vu ça. Il y a un clap-trap. Des petits endroits cachés comme ça sur la map. La chasse continue, mais pas pour toi. C'est l'heure de la grosse pression. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'on était dans une prison. Montrez-moi ce qui s'y cache. Il a volé. 342. Cogner des tics, c'est mon travail et ma passion. J'espère que Murloc va bien. C'est bon, je vais t'aider. Tu n'as pas terminé. Et il meurt beaucoup, hein, mon petit familier. Ma petite sang couvée. Et crois-moi, t'as pas envie de faire attendre la pine ou des glingos. Il y a tout le temps trop de trucs à... à fouiller. Je donne l'assaut. Une embuscade. On va se les faire ensemble, petite tech. D'autres amis à toi à tuer ? Génial ! Ce gros débile a l'air coutu. Tâter de ma petite mitraillette. Oh, on peut monter. Aïe. Ah, c'est bon ça. Petite mitraillette, c'est une petite merveille quoi. Oups, on va se calmer. Mais grave,
jeu de 20 cm. Les dialogues, ils sont mortels quand même. Ça, c'est vraiment le bon point du jeu. Bon, il y avait rien en bas de particulier. Belle technique. D'habitude, je me bats plutôt tout seul, mais on forme un super duo. Faut que j'aille aider mon sniper. Toi, va retrouver la pinou des glingos. Elle est complètement ravagée. Ok, on va faire juste le tour de cet endroit. Ok, donc ici c'est une cellule fermée. Fermé. Bouge et t'es mort. Je veux maintenant procéder à la lecture de l'acte d'accusation. T'as kidnappé mon... T'as bougé. Je te l'avais dit. Ah, ça fait plaisir. On voit tout le monde. Ok. J'avais pas fait le lien entre la pinou des glingos et Tina. Tac. Alors... Trop d'argent, mais pas assez de sang. Vous êtes au bon endroit. Avec moi, c'est pas perdu. Bon, personne va venir chercher ce truc-là, pas vrai? ...315, 342... Eh bien, d'accord.
Merci. Bon, on va parler à Tina. Et on va s'arrêter ici. Wainwright m'a dit de sauver Hammerlock. Ok, alors voilà le topo. Hammerlock est dans un quartier sécurisé avec une... très grosse porte qu'on doit exploser, mais... mais c'est un peu parti en sucette. Et des bandits m'ont piqué ma boube. Je vais bien, je vais bien. Alors, fais-moi un petit plaisir. Et va me chercher des garnitures pour la pizza explosive que je prépare. Je vais pas te mentir, en fait, c'est juste une bombe. C'est une très grosse bombe. Je sais qu'on trouvera les garnitures qu'il me faut ici et... j'ai une petite recette spéciale. Muy picante. Donc merci de m'avoir suivi. Moi, je vous dis à bientôt. Et ciao tout le monde.